Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 21 décembre 2022, Eve, Emma Colberti, retrouve Virgile, Fred Bianconi, au port pour créer son profil de tentatrice sur Internet. Elle prétend s'appeler Eve Lindberg, avoir des origines scandinaves et exercer la profession de bibliothécaire. De son côté, Dimitri, Victorien Robert, est convoqué par Claudine, Catherine Wilkening, pour signer le contrat qui fait de lui l'agent de sécurité de la tentatrice. Claudine lui explique qu'Eve et lui vont devoir établir la meilleure stratégie pour aborder la cible, à savoir Rudy, Jules Rousset, en faisant preuve du plus de discrétion possible. Plus tard, Claudine reçoit un appel de Sabine, Gaëlle Ledeva. Cette dernière lui en veut d'avoir embarqué Dimitri dans cette histoire de tentatrice. Claudine lui fait remarquer qu'Eve et Dimitri sont des adultes et que si elle a quelque chose à dire, si est-il à eux qu'elle doit s'adresser. De son côté, Dimitri prend Rudy en filature. Il prend en note ses trajets à vélo pour permettre à Eve de simuler une rencontre entre cyclistes. Christophe, Hubert Benhamdine, est dépité. Il vit très mal l'annonce du départ d'Achille, Mathieu Rodriguez, mais supporte encore moins que son petit protégé soit triste. Pour arranger les choses, Margot, Clara Bott, propose d'aller discuter avec Achille, mais Cécile, Marie-Gaëlle Kahl, lui demande de laisser Christophe gérer les choses. Elle interroge ensuite sa sœur sur son histoire avec Ludo. Margot lui confie qu'elle a invité Ludo à dîner le lendemain. Bilal accepte de couvrir Ludo et Noémie à la sortie de son interrogatoire avec Manu, Moïse Santamaria, Noémie, Lucille Crier, a du mal à cacher son malaise. Hakim, Aïssa Memedem, lui pose des questions, et Noémie finit par lui servir sa version inventée pour la police. Elle lui explique que le soir de l'agression de William, Olivier Cabassut, elle était à la coloc avec Ludo, Folco Marchi, et Bilal, Malik et Lekal. La nouvelle met Hakim en rogne. En rentrant chez elle, Noémie passe voir Elodie, Lola Klodowski. La jeune femme n'a aucune nouvelle de son père et se fait du souci. Elle n'envisage pas la vie sans lui. Alors que Noémie la prend dans ses bras, son téléphone sonne. Le docteur Cresson, Guillaume Delorme, lui annonce que l'état de William s'est stabilisé. Néanmoins, il est toujours dans le coma et il est impossible de savoir s'il se réveillera ou non. Plus tard, Alex, Benjamin Bourgois, passe à la coloc pour vérifier l'alibi de Noémie. Au grand soulagement de Ludo, Bilal ment en affirmant que Noémie était bien chez lui le soir de l'agression de William. Une fois Alex parti, Bilal se met en colère. Il s'énerve de lui avoir menti et reproche à Ludo de le forcer à mentir à Hakim. Ludo lui assure qu'il n'aura pas de problème. Une fois qu'ils auront arrêté l'agresseur, plus personne ne s'intéressera à eux. Au commissariat, Hakim accuse Manu d'avoir mis la pression à Noémie lors de son interrogatoire. Le lieutenant se défend, expliquant n'avoir fait que son travail, mais Hakim ne veut rien entendre et l'envoie balader.